Bonjour tout le monde. Nous sommes heureux de partager l'expérience de Burkina Faso au sein de ce panel pour parler d'interopérabilité des personnes, des processus et des ministères, des effets prévus et imprévus du système d'information One Health au Burkina Faso. Donc, pour faire ces interventions, trois présentateurs vont passer. Ils seront donc, Dr Boukari Ouédraogo, qui est directeur de la direction des systèmes d'information en santé au ministère de la Santé au Burkina Faso. Il va intervenir sur le processus d'engagement des trois ministères et de l'effet du décret présidentiel sur One Health et le succès que cela a pu engendrer au Burkina. Il y aura également l'intervention de Dr Donatien Takaotimana, qui est conseiller du Programme mondial de sécurité sanitaire de l'USAID au Burkina, qui va parler de l'évolution de One Health dans le pays et ses implications. Et enfin, j'interviendrai. Je suis donc Raïm Kébé, conseiller résident du projet Country Health Information System and Data Use, qui est un projet donc de renforcement du système d'information au Burkina. Donc, je partagerai donc l'expérience sur l'utilisation des systèmes de surveillance One Health dans le pays. Donc, sans tarder, je vais laisser Dr. Boukari Ouédraogo pour faire sa présentation. Merci. Ok, merci bien, docteur Kibé, pour la présentation. Donc, je ne reviendrai pas sur la présentation de ma personne qui a été faite, notamment par docteur Kibé. Donc, je vais me présenter essentiellement sur le processus d'engagement des trois ministères et de l'effet du décret présidentiel dans le cadre du One Health et le succès que cela a pu engendrer. Diapositive. Et d'abord, pour commencer, il faut dire que cette approche One Health fait partie de l'agenda de la sécurité alimentaire mondiale sous le lit des États-Unis. Et notamment, cette approche One Health vise à renforcer l'intégration et la coopération intersectorielle en matière de prévention, de détection, d'émergence, notamment de nouvelles maladies, notamment pour ce qui concerne essentiellement les zoonoses et la résistance antimicrobienne. Et notamment, il faut dire qu'au niveau du Burkina Faso, il y a un décret qui a été pris en 2019. En 2019, qui consacre la création d'une plateforme nationale de coordination One Health que nous allons aborder tout au long de notre présentation, notamment en matière d'effet. Suivant. L'objectif, notamment, de cette plateforme nationale One Health, de manière générale, c'est d'assurer une réponse efficace aux événements de santé publique émergents, qui notamment sont à l'interface entre les hommes, les animaux et puis l'environnement. Et de manière spécifique, cette approche vise à mutualiser les ressources dans le dispositif de surveillance, de notification et de riposte à temps contre les événements de santé publique, et également de réduire les charges de morbi-mortalité grâce à une action concertée entre les trois ministères. Également de promouvoir les actions de promotion de la santé et enfin de renforcer cette coordination intersectorielle entre les trois départements ministériels. Suivant. Il faut noter notamment que cette plateforme nationale One Health, elle est structurée en six grandes composantes qui est sous le lead notamment du ministre, du Premier ministre. Et après ce lead du Conseil national One Health, présidé par le Premier ministre, sous sa coupe également, il y a un dispositif, notamment un comité technique de pilotage, qui permet notamment de suivre toutes les activités inhérentes. Et de ce comité de pilotage permet de superviser notamment les actions du secrétariat technique One Health, qui a notamment sous sa coupe notamment un secrétaire technique. Et ensuite, cela, en dessous de ce secrétariat technique, nous avons trois grandes entités, notamment des points focaux au niveau des cinq ministères, sept commissions thématiques et également des comités décentralisés de concentrés au niveau des 13 régions sanitaires qui notamment sont sous le lead de chaque gouverneur de région pour permettre à ce que cette approche One Health entre les trois ministères puisse se faire notamment sans approximation. Suivant. Voici, et dans le cadre de cette plateforme nationale One Health, un certain nombre de réalisations, un certain nombre d'acquis peuvent être notamment abordés
D'abord, commençant par le décret de 2019 dont j'ai parlé lors de l'introduction, il y a également la mise en place d'une plateforme électronique de surveillance qui permet notamment de collecter toutes les maladies sous surveillance et certaines notamment pathologies ou événements liés notamment à ces trois départements ministériels. Et cette plateforme électronique a été mise en phase test dans deux régions essentiellement, notamment le centre-sud et le plateau central. Et nous sommes actuellement en phase d'extension avec l'appui de Chissou pour aller dans deux autres régions qu'éventuellement nous revenons lors des prochaines rencontres, des prochaines présentations. Il y a également, comme acquis, on peut également citer la détermination de la liste des zoonoses prioritaires et les validations, notamment qui a permis de retenir quatre zoonoses principales. Il y a également la formation en épidémiologie des terrains qui dépasse 48 agents, puisque nous avons pratiquement 70 districts sanitaires et dans chaque district, il y a au moins trois personnes qui ont été formées. Donc, il y a plus d'une centaine qui ont été formées dans le cadre de cette formation en épidémiologie des terrains. Et il y a la réalisation d'investigations épidémiologiques qui permet notamment d'identifier les foyers de charbon bactéridien. Suivant. Également, comme principale réalisation que nous pouvons retenir, donc la liste n'est pas exhaustive, nous sommes appesantis sur les éléments essentiels. On peut également retenir la mise en place de l'outil Playbook pour la chaîne d'approvisionnement. Et cet outil, elle intègre également la COVID-19 et également, c'est un outil qui est fonctionnel avec 15 événements qui ont été pris en compte. Et nous pouvons également noter l'appui constant du gouvernement américain à travers notamment l'agence principale, l'USAID, qui intervient à travers ses partenaires d'exécution, dont nous pouvons citer quelques-uns, tels que PSM, Major Evaluation de Benishisu et IDDS à travers FIC 360. Il y a également la prise en compte du One Health dans la requête spécifique du Fonds mondial contre la lutte dans la riposte contre la COVID-19. Et il y a également, nous pouvons également noter l'appui budgétaire conséquent continu de la Banque mondiale qui permet en tout cas de prendre en compte cette approche One Health dans les indicateurs de décaissement pour appuyer les trois départements ministériels dans la lutte contre les maladies émergentes. Diapositive. Dans le cas du Burkina Faso, dans le cas de la plateforme nationale One Health, les prochaines étapes consistent notamment à étendre, à faire une extension de la plateforme électronique aux autres régions, notamment aux 13 régions du Burkina Faso. Il y a également le fait que nous sommes en train d'élaborer, de prévoir l'élaboration d'arrêtés pour prendre en compte notamment pour mettre en place des commissions thématiques pour permettre de faire une riposte efficace, concertée. L'élaboration d'une maquette d'arrêté apportant mise en place du comité de concentré One Health. L'élaboration de la stratégie One Health, il y a déjà une feuille de route qui est déjà opérationnelle. Et il y a notamment le fait de tenir la tenue également de la première session du Conseil national One Health, qui va permettre notamment de présenter l'architecture, les acteurs et leurs rôles, et également de décliner les prochaines étapes. Et également, comme prochaine étape, il y a la dissémination de l'approche One Health auprès de tous les acteurs, que ce soit les partenaires techniques, les autres partenaires techniques et financiers qui ne sont pas complètement engagés dans l'approche One Health, certaines ONG, également les cadres des différents autres ministères, et dont il y a une insuffisance notamment de maîtrise, notamment de tous les concepts du One Health, et cela permettra notamment une pleine appropriation à toutes les sphères du système national. Pour conclure, nous dirons qu'au Burkina Faso, le Burkina est en train de construire progressivement sa plateforme One Health avec l'engagement d'aboutir notamment à des résultats probants, à mesurables, notamment et de qualité. Et il faut noter que la pandémie de la COVID-19 est venue également rappeler la nécessité de disposer d'une approche multisectorielle, parce qu'on se rend compte que cette approche, elle est nécessaire notamment pour permettre notamment de venir à bout d'un certain nombre de pathologies qui sont notamment à la lisière entre la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Et il faut noter aussi qu'il y a le fort appui des partenaires techniques et financiers que nous souhaitons vraiment faire ressortir ici, notamment l'USAID, CDC, l'OMS, la Banque mondiale, et j'en passe. Et il y a également d'autres partenaires auxquels notamment qui interviennent également, tels que la FAO. Et il faut noter qu'il y a un fort engagement de l'État burkinabé dans le cadre notamment de cette approche One Health. Donc, il y a ce que nous pouvons maintenant conclure comme dernier mot. Il y a une nécessité d'accélérer le processus pour aboutir à des résultats beaucoup plus palpables. Nous sommes au terme. Merci bien pour votre participation.
Merci, Dr Boukhari, pour votre intervention. Je rappelle que Dr Boukhari a représenté les trois ministères impliqués dans l'approche One Health au Burkina. À présent, nous laissons la parole à Dr Donatien pour parler de l'évolution de One Health au Burkina et ses implications. À vous, merci. Merci beaucoup, docteur Kébé. Suivant. Quand on regarde dans la littérature, on se rend compte que finalement, l'approche One Health n'est pas vraiment, ne date pas d'aujourd'hui. Mais je dirais qu'il y a actuellement des facteurs catalysants, dont le plus important, qui est en rapport avec une attention accrue aux maladies infectieuses émergeant à l'interface homme, animal, environnement. Pour le cas du Burkina Faso, je dirais que nous avons bénéficié d'un environnement favorable, dont certains facteurs sont notamment la réunion ministérielle régionale qui avait comme thème One Health, qui s'est tenue au Sénégal en 2016, et où il y avait une délégation de ministres provenant du ministère de la Santé, Santé humaine, Environnement et santé animale. Et une des recommandations clés de cette réunion, c'était que chaque pays devrait mettre en place une plateforme de coordination One Health. Un autre facteur intéressant que je peux citer, c'est l'évaluation externe conjointe des capacités du règlement sanitaire international que nous avons effectué en 2017 et qui regroupait différents participants en provenance de différents secteurs. Et l'autre facteur, c'est les Journées des sciences de la santé de Bobo Dioulasso. Il s'agit d'un événement qui se tient tous les 2 ans. Et en 2018, le thème était One Health et nous avons eu la chance d'avoir une participation remarquée de 4 ministères qui ont fortement appuyé l'établissement de l'approche One Health au Burkina Faso. On a aussi constaté au cours de ce processus qu'on a vraiment besoin d'efforts conjoints pour renforcer la collaboration multisectorielle. Suivant, s'il vous plaît. En effet, il faut se rendre à l'évidence que l'approche One Health semble actuellement fortement liée au règlement sanitaire international. Et du coup, pour certains acteurs, One Health semble être l'apanage du ministère de la Santé. Donc, il faut une approche stratégique pour impliquer tous les autres secteurs qui ont un rôle déterminant à jouer dans ce cadre-là. Dans la même dynamique, on remarque que le niveau d'adhérence au début n'est pas le même, donc progressivement, il faut amener à bord tous les acteurs. Au cours des discussions qui devaient mener à la mise en place de la plateforme One Health, on a constaté qu'il y avait certains acteurs qui pensaient qu'il y avait duplication de structures déjà existantes. Je pense notamment au Comité national de coordination du RSI, mais aussi le Comité national de gestion des épidémies. Mais à travers des discussions assez nourries, on constate quand même que la plateforme One Health apporte en plus dans ce processus. Mais il faut souligner vraiment qu'il y a nécessité d'une implication stratégique des partenaires, parfois pour faire bouger les lignes. Et à certains moments, les autorités de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso étaient obligées de contacter les hauts responsables du gouvernement pour évoluer sur certains aspects de One Health. Besoin d'assistance technique très important, et je peux dire ici, comme mon collègue Dr Boukari l'a déjà dit, la contribution du gouvernement américain à travers le programme de sécurité sanitaire mondiale a été déterminante, bien sûr, aux côtés d'autres partenaires. Le leadership de la partie nationale est à souligner. Je parlerai sans vraiment être exhaustif au niveau du Premier ministère, notamment au cours de l'organisation de l'atelier qui devait consacrer la création de la plateforme, le comité de pilotage pour faire évoluer les dossiers. Et je ne peux pas souligner suffisamment le rôle du secrétariat technique One Health basé au niveau du ministère de la Santé. Suivant. Cette diapositive, juste pour souligner que
pendant qu'on développait des documents de régulation, il fallait aussi pratiquer. Et ça, c'est une liste d'exemples. Docteur Boukhari a cité pas mal. La priorisation des maladies zoonotiques qui a été faite par les différents ministères. Surveillance basée sur les événements. La formation des différents acteurs de terrain provenant des différents ministères connus sous le sobriquet de FETP, Field Epidemiology Training Program. J'ai déjà parlé de l'évaluation externe conjointe, les réunions régulières tenues actuellement sous le leadership du secrétaire technique One Health, les investigations conjointes déjà citées, l'élaboration du plan d'action multisectoriel pour la gestion de la résistance aux antimicrobiens qui se fait de façon multisectorielle, et j'en ai déjà parlé, les journées des sciences de la santé. En 2018, le thème c'était One Health. Et très récemment, en 2020, le thème était la résistance aux antimicrobiens toujours selon l'approche One Health. Suivant. Quel est le résultat de ce processus? On peut dire vraiment qu'il y a un intérêt croissant de la partie nationale et accompagné d'une appropriation croissante. À mon humble avis, je peux dire que même le Comité national de gestion de la pandémie COVID-19 s'est beaucoup inspiré de la structure One Health au niveau national. Il y a un intérêt croissant des partenaires au développement. Docteur Boukhari a déjà parlé de la Banque mondiale, mais je peux ajouter également qu'au niveau des partenaires du cadre de développement en santé, il y a de plus en plus de l'intérêt à savoir où est-ce que le pays en est par rapport à l'approche One Health. Enfin, je dirais que pour la pérennisation, l'allocation de ressources domestiques aux activités One Health s'avère importante en plus des ressources extérieures, et aussi le pays devra veiller à couvrir toutes les régions avec les différentes approches pour qu'on puisse vraiment engranger de bons résultats. Merci. Merci, docteur Donatien, pour avoir apporté la vision de l'USAID sur l'évolution du One Health au Burkina. À présent, je vais intervenir donc au nom du projet Chissou pour parler de l'utilisation des systèmes d'information One Health dans les différents ministères au Burkina, dans le cadre donc de la sécurité sanitaire mondiale. Donc, au titre de l'introduction, mes collègues en ont largement parlé, mais il s'avère d'ajouter le caractère pertinent ou déterminant de la survenue de certaines épidémies dans la sous-région ouest-africaine, notamment l'épidémie à virus Ebola qui est survenue. Donc, ceci a contribué grandement à l'intéressement du gouvernement, n'est-ce pas, à l'approche multisectorielle One Health. Il faut rappeler qu'à l'époque, la gestion des systèmes d'information sanitaire était unisectorielle, c'est-à-dire chacun des départements gérait de façon autonome, sans se référer à d'autres départements. À cela, il faut ajouter qu'au Burkina, depuis cela, donc, il y a une approche qui change. Mes collègues en ont parlé notamment sur le choix des zones prioritaires, sur la mise en place d'un décret pour la coordination One Health, ainsi de suite. Donc, il faut noter aussi l'apport prépondérant des partenaires dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale, notamment l'USAID et ses partenaires. Donc, dans ce cadre, il y a eu beaucoup de projets qui sont intervenus, notamment Major Evaluation, qui a couvert des régions dans le cadre donc, de la mise en place de la surveillance One Health. Et depuis 2020, donc, Chissou Country Health Information System and Data Use est en train actuellement d'implémenter ce processus One Health. Il faut noter aussi d'autres partenaires tels que IDDS et MTAPS, donc qui sont en train d'opérer au Burkina Faso, toujours dans le cadre de renforcement du système de surveillance.
Donc, tous ces partenaires avaient pour objectif donc, de renforcer l'approche One Health de manière générale, mais aussi de renforcer surtout la disponibilité des données sanitaires, que ces données soient de qualité. Renforcer la coordination multisectorielle pour appuyer justement la mise en place par de la coordination One Health et améliorer enfin la capacité des différents ministères pour la prise de décision. Suivant. Donc, l'approche utilisée pour renforcer le système de surveillance, elle consistait donc à doter chacun des ministères d'un système de remontée des données électroniques, donc partant de la communauté jusqu'au niveau central, ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun de ces trois ministères impliqués, notamment le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère des ressources animales, chacun de ces ministères donc est doté d'un système de remontée de ces données. Et une quatrième base a été mise en place pour justement collecter les données agrégées, n'est-ce pas, qui ont été, n'est-ce pas, choisies par les différents ministères. Et en fin de compte, les utilisateurs donc, de ces informations, ce sont des acteurs qui bénéficient des notifications, soit par SMS ou par email. Diapo, s'il vous plaît. Donc, en termes de résultats, il faut dire que pratiquement l'ensemble des maladies qui sont sous surveillance dans les différents ministères sectoriels ont été intégrés dans ce processus. C'est-à-dire que, pareil, au niveau du ministère de la Santé, il y a au total 52 maladies de la CIM qui sont intégrées dans le processus, y compris donc la COVID qui vient de survenir récemment. Au ministère des ressources animales, 76 maladies au total ont été intégrées dans ce processus. Ainsi qu'au ministère de l'Environnement, où il n'y a pas de maladies à part entière à suivre, mais des événements ou d'activités sanitaires qui sont, n'est-ce pas, intégrés dans ce système. Le groupe technique One Health, donc la coordination, gère les cinq zoonoses prioritaires qui ont été définies par les trois ministères. Donc, c'est dire que l'ensemble de ces maladies qui sont sous surveillance sont aujourd'hui intégré dans la plateforme électronique OneHealth. Suivant. Toujours en termes de résultats, nous sommes aujourd'hui à plus de 7040 personnes qui sont formées ou qui viendront être formées et équipées dans le cadre donc de la mise en place de ces différentes activités. Suivant. Ici, nous voyons disons, les différentes bases de données qui ont été implémentées dans chacun des ministères. Donc, ça représente le tableau de bord par ministère. C'est-à-dire que chacun des ministères a pu, selon ses priorités, développer son propre tableau de bord pour pouvoir suivre les informations sanitaires. En bas à droite, nous avons la base de données One Health, donc qui est une base commune, qui reflète, n'est-ce pas, le résumé des données agrégées collectées par les trois ministères. Diapositive. Donc, pour terminer, les défis et perspectives qui s'annoncent dans le cadre de la mise en place de ces différentes activités, nous espérons qu'à terme, qu'il y ait une utilisation optimale, n'est-ce pas, de la plateforme électronique One Health pour la prise de décision au sein des différents ministères impliqués dans ce processus. L'extension du système dans deux régions supplémentaires est prévue donc à court terme. Cette extension consistera donc à équiper les acteurs, à les former et aussi à les doter de connexions Internet pour pouvoir utiliser les applications. La question de l'interopérabilité est un enjeu majeur au Burkina Faso, d'autant plus que de nombreux systèmes de gestion des données existent. Donc, l'enjeu principal sera de mettre tous ces systèmes à communiquer ensemble pour pouvoir interéchanger les données. La question de la qualité des données aussi est très essentielle. Pour finir, donc, comme le rappelait tantôt Dr. Donatien, une implication des partenaires semble primordiale
pour assurer la pérennisation de tous ces acquis, mais aussi à long terme, prévoir l'extension, n'est-ce pas, de ces applications ou de ces systèmes électroniques de gestion des données à l'ensemble du pays. Donc, j'en ai terminé pour ma présentation. Pour la suite, donc, nous sommes ouverts aux différentes questions. Et un lien existe, une adresse pour nous contacter si besoin. Donc, l'adresse est chissou-media@gsi.com. Donc, je vous remercie au nom de l'équipe pour votre attention. Merci.